Et salut à tous les rouleurs, comment ça va les Dieu merci, copains? Dieu merci, il n'y a pas de chanson. J'ai tellement Aujourd'hui, il n'y a pas de chanson. vu sa vieille tête là, j'ai eu tellement peur qu'il nous fasse une nouvelle chanson. Folle, sache qu'il va y avoir d'autres quotidiennes. Là, c'est la première où il n'y a pas de chanson parce que je t'accorde un tout petit peu de répit. Mais sachez que dans la vie tous les jours, j'adore gêner Paul et Paul est très gêné par mes chansons de début de live. Donc forcément, croyez-moi, il va y avoir des chansons aux prochaines rétros. J'ai Mais la gêne facile, ouais. ouais, exactement, aux prochaines quotidiennes. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura le retour de la chanson très très bientôt. Quotidienne, roue libre, on est ensemble de 19 à 19h pour parler du Tour de France comme d'habitude. Et vous le voyez aujourd'hui, je me sens bien seul car Polo et Robin, vous êtes ensemble. Comment ça va les gars? Et pourquoi vous êtes ensemble? Parce qu'on a bu un petit coup. Ouais, on est bon un petit coup entre amis, quoi. Ah, c'est Après, on t'a mignon. pas, Joseph, on t'a pas invité pour des raisons. C'est pas qu'on t'aime pas, mais voilà, on a préféré se voir avec Vexé. Robin pour discuter, quoi. Je suis vexé. Peut-être que ma place dans Roue Libre a été remise en cause dans les dernières heures ou va l'être ce soir. Peut-être que je serai plus Ça là demain. fait partie des éléments de discussion, mais Finalement, Manu Moine a dit qu'il ne pouvait pas présenter ouais. l'émission vélo, donc tu t'en sors bien. Et Thomas Fasse Dufan attention. et Thomas Dufan et Manu Moine ont refusé le poste, donc ta place est sauve. Ouais, bah, qu'ils fassent attention, eux, parce que j'ai regardé le dernier Grand Prix. J'ai regardé le dernier match de basket de main-balle. Donc attention, je peux aussi voler leur place. Bon, en tout cas, je suis très heureux d'être à nouveau de retour sur la quotidienne du Tour de France. Je vois que vous êtes très nombreux déjà dans le chat. On est presque 300, donc bienvenue à tous. Le programme, vous l'avez sur le côté. Du coup, le débrief avec la victoire de Van Aert. Du coup, au Ventoux, celle-là, il fallait la voir venir. On va en parler tous ensemble. Le débat, parce que Vingegaard a attaqué et Pogacar ne l'a pas suivi. Est-ce qu'il l'a voulu? Est-ce que c'était vraiment un coup de moins bien? Est-ce que ça amène à penser que le tour est vraiment joué et Pogacar a définitivement gagné? Ou est-ce que tout simplement c'est joué, il n'y a plus rien à dire? La preview, parce que demain ça continue, on retourne du côté de Nîmes dans le Gard avec potentiellement un sprint. Vous allez me dire ce que vous en pensez. La rétro, Robin, aujourd'hui 1967, c'est pas forcément heureux, mais c'est important. C'est ça, mais on ne va pas parler forcément de la mort de Tom Simpson à proprement parler, qui est une histoire que beaucoup connaissent déjà. On va parler un petit peu des à côté, c'est-à-dire premièrement du traitement médiatique de l'affaire qu'il y a eu, et ensuite des avancées pour la lutte antidopage que ça a impliqué. Alors que Et Paul du est parti, coup, hein. ouais, alors que Paul apparemment ne veut pas entendre parler de Tom Simpson. Tom Simpson, ça m'a fait remonter des émotions qui étaient trop fortes pour moi. J'ai dû quitter le live quelques instants. La chatroom, du coup, on espère que vous gardez vos questions. Tous ceux, on va évidemment tout évoquer au max dans le débrief. Et si par hasard vous sentez qu'il y a un sujet qu'on a un peu éludé, n'hésitez pas, gardez l'autre côté, notez-le et on y reviendra. Et le quiz pour terminer, comme d'habitude, avec Polo et Robin qui ont disparu en ce moment. Est-ce que je me retrouve carrément tout seul? Eh bien oui, je me retrouve carrément tout seul. Ben voilà. Alors que c'est clairement pas moi hein, qui les ai virés. Mais en attendant, j'ai l'impression que Paul, en s'asseyant, a tout simplement disparu. Bon, bah écoutez, est-ce qu'on n'est pas bien ensemble là pour le moment en attendant que les copains reviennent? En commençant donc par le débrief du Ventoux, je vais la faire tout seul. Vous savez quoi? Il n'y a même pas besoin d'eux. On n'en a rien à faire. On est bien ensemble. Oh non, ils sont de retour. J'avais pas envie de les voir. Je suis J'ai mis un énorme chassé dans le câble Ethernet. C'est pour ça que l'ordinateur, il n'a pas kiffé. Ah, effectivement, j'ai vu ça. Je disais des choses pas bien sur vous, mais ça, le chat, il ne faut pas le répéter. Et surtout, je disais qu'aujourd'hui, Van Aert, du coup, a gagné au Ventoux devant un certain nombre de coureurs. On va regarder tout à l'heure. Mais en fait, j'ai envie de vous poser tout de suite la question la plus importante, les gars. Est-ce que l'un de vous l'imaginait capable de faire ça? Bah, si tu nous avais demandé ce matin, non. Mais si tu nous avais demandé une fois que l'échappée était formée, pourquoi pas? Enfin, en tout cas, moi, une fois que l'échappée était formée, je me disais que c'était pas complètement insurmontable pour Van Aert. Et puis, capable de faire quoi? C'est ça la vraie question. Capable Capable de de gagner au gagner, contrôle. capable de gagner après une double ascension du Mont Ventoux dans une échappée de loin, face à une concurrence pour le coup assez réduite. Oui, capable de gagner au Mont Ventoux face aux favoris du tour. Non, il ne l'aurait sûrement pas fait. C'est ça la vraie bonne question.
D'accord. Bah du coup, comment est-ce que Van Aert a réussi à gagner et selon vous, pourquoi il a réussi à s'échapper, à garder cette avance? Est-ce que ça tient, par exemple, du côté au fait que les favoris ne voulaient pas cette victoire et que ceux qui ont roulé du côté de chez Ineos n'ont pas mis forcément un tempo incroyable, Robin? Bah déjà, il y a Bilal dans le chat qui dit l'échappée n'était pas folle folle. Je pense que c'est une des raisons qui explique la victoire de Wout Van Aert et qu'au niveau des grimpeurs, finalement, on avait les coureurs de trek, Ellison et Mollema. On avait Dan Martin, mais qui a pété assez rapidement. Et à part ça, bah, on n'avait pas beaucoup Ouais, ça a de. pu d'ailleurs. On n'avait pas beaucoup de mecs, à part ça, qui étaient en mesure de lâcher un Wout Van Aert qu'on sait capable de grimper correctement. On l'a vu sur Tirreno-Adriatico cette saison. Ensuite, par rapport aux favoris, on a vu qu'il a perdu du temps sur la fin de la montée. Je pense que ce qu'il a manqué, c'est le Pogacar des Alpes. Si tu as le Pogacar des Alpes qui décide d'attaquer, à mon avis, Van Aert, il voit pas la ligne en premier. Mais Pogacar est resté calme, et on va en parler plus tard, même un peu plus que calme. Les favoris ont attaqué légèrement, mais seulement dans les 1500 derniers mètres du Ventoux. Et ça a permis à Van Aert d'aller jusqu'au bout. Il y a aussi Ellison et Mollema qui arrivent avant les favoris, hein, finalement. Non, mais c'est clair, c'est pas surprenant. J'ai vu encore énormément de choses. De toute façon, en ce moment, sur Twitter, il faut trier. Il y a à boire et à manger. Voilà, Wout Van Aert, évidemment, quand on se souvient de ce qu'il a fait sur le Tirreno, notamment cette année, ou ce qu'il a fait surtout sur le Tour de France l'an dernier, tu sais que face à cette adversité, dans un bon jour, Wout Van Aert allait être plus fort qu'un Ellison, d'un Mollema ou même un Julien Alaphilippe qui est moins bien depuis quelques jours. La vraie question, c'est la stratégie derrière, la stratégie notamment du team Ineos, l'absence d'attaque avant les deux et demi, les deux derniers kilomètres et demi d'ascension du deuxième passage du Mont Ventoux du côté des favoris fait aussi les affaires de Wout Van Aert et sont aussi à remettre en question. Je pense que c'est plus de ce côté-là qu'il faut aller voir. Et il y a notamment ce qui amène à des questionnements et à pas mal effectivement de remarques sur les réseaux sociaux et autre part, hein, parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on entend aussi dans la vie. C'est le rapport poids-performance de Wout Van Aert qui fait aujourd'hui 75 kilos, qui a fait deuxième du sprint hier. Et c'est ce qui a amené aussi à des doutes sur un Sonny Colbrelli. Aussi de le voir faire ce qu'il a fait à Tignes. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport poids-puissance? Est-ce que véritablement il est à remettre en question? Est-ce que notre vision de ça, de se dire, ah bah, ce mec-là fait plus de 70 kilos, donc en fait il ne doit pas performer en haute montagne, c'est juste physiologiquement impossible. Est-ce que cette Non. victoire de Van Aert doit nous amener aussi à reconsidérer d'autres paramètres comme les profils des coureurs? Mais ce qui est sûr, c'est que Van Aert, c'est un coureur complet, et ça, on ne le découvre pas aujourd'hui quand même. Il a gagné, il a été fort sur l'Estrade Bianche, il a été fort sur Tirreno-Adriatico, il termine deuxième de Tirreno-Adriatico. Alors oui, il a eu l'appendicite entre-temps, il a eu une période de repos, etc. Mais on ne découvre pas que Van Aert est polyvalent. Ensuite, gagner une étape en échappée, ce n'est pas que l'apanage des purs grimpeurs. De Gent, il a gagné au Chalet Reynard en échappée en 2016. Et c'est pas un mec qui est beaucoup plus léger que Wout Van Aert. Alors peut-être qu'il y a quelques kilos de différence, mais on sait aussi que connaître le poids exact des coureurs, c'est très très compliqué. Et ce qu'on peut voir sur Pro Cycling Stats ou ailleurs, c'est plus une estimation qu'un poids exact, hein. Wout Van Aert, qui connaît son poids réel aujourd'hui? Bah, il y a lui et quelques coureurs et quelques membres, pardon, du staff de Jumbo-Visma. Le reste, ils n'en savent rien. Sa femme, oui, mais nous, derrière notre télé, on ne sait pas exactement si Van Aert il est à 75 kilos ou s'il est à 72. Donc ça, c'est une première indication qu'il faut, une première donnée qu'il faut avoir. Et ensuite, il gagne une étape en échappée. Voilà, c'est pas, il a pas tapé les favoris du tour au sommet du Mont Ventoux. Moi, excuse-moi, Robin, moi je suis d'accord avec ça. Au-delà du poids et de la performance en elle-même, c'est le fait de gagner en échappée et d'analyser en fait la course comme elle s'est déroulée. Quand il est face au chronomètre et face au peloton dans le dernier Ventoux, il roule face à Kwiatkowski
et un Richie Porte à 60% de ses capacités. Allez, 70 si on veut parler. Kwiatkowski, c'est quand même pas non plus un grimpeur. Richie Porte, il est diminué, il fait jeu égal avec ces gens-là et c'est normal parce que le rythme imposé par ces deux corps était pas énorme. Dès que Kwiatkowski s'écarte et que ça commence à accélérer, notamment du côté de Vingegaard, il perd 2 minutes en un claquement de doigts. Donc oui, ça peut surprendre de voir un profil comme ça attaquer, prendre l'échappée et aussi être plus fort que des coureurs comme un Mollema ou même comme un Julien Philippe, qui ont plus des morphotypes de grimpeurs. Mais quand tu analyses un peu déjà le parcours et les données que Wout van Aert a déjà fait en montagne et sur le Mont Ventoux, on a analysé ça avec Robin. C'est quelqu'un qui a déjà monté, c'est le premier col qu'a monté Wout van Aert dans sa vie à 10 ans avec son père. C'est aussi un col qu'il a monté, c'était quand la date ? Il y a deux ans, il a fait les trois faces en 2019 à l'entraînement. Les données sont disponibles aussi sur Strava. C'est pas quelqu'un qui dort. Alors évidemment, il est une énorme pointe de vitesse. Ah si, il dort, c'est quelqu'un qui dort. Non, mais évidemment, il est obligé de dormir pour être en forme, on s'est compris, Joseph. Mais je veux dire, si on commence à batailler sur tout et rien, alors évidemment, on peut batailler sur… Il y a Marin Le Duc qui dit, Polo, il va plus vite que le peloton dans le Ventoux. Il va pas plus vite que le peloton. Comme tu as dit, il va plus vite que Kwiatkowski. Il va plus vite que Kwiatkowski. Exactement comme Froome qui va plus vite que Reichenbach quand il gagne au Giro et qui conserve un peu son avance. C'est que en fait, c'est dû à un contre un parce que personne ne donne des relais. Exactement. Quoi. D'accord. Après, on nous dit effectivement, Ilson n'a pas un profil de grimpeur. Si, il a un profil de grimpeur, mais au bout d'un moment. Ilson, il a bossé pour Mollema toute la journée. Il a bossé toute la journée pour Mollema et surtout, c'est Kenny Ilson, quoi. Si le seul critère pour gagner les étapes de montagne, c'était le poids, bah, Ilson et Esteban Chavez, ils gagneraient toutes les étapes de montagne. C'est ça. Et si c'est pas le cas. Et si le seul critère, c'est lui, c'est un grimpeur et lui, c'en est pas un, et bah, faut. Soit c'est à nous de nous réveiller parce que le cyclisme est en train de changer très vite. Et qui nous manque certaines données, soit c'est à vous de vous réveiller et de prendre en compte le fait que on n'est plus dans le cyclisme manichéen des années 90 et 80, quoi. C'est surtout ça. Il y a un autre chose qui a peut aussi amené à la victoire de Van Aert, c'est effectivement la stratégie de la Trek Segafredo qui, je trouve, a été bonne jusqu'à 3 personnes dans l'échappée, avec Julien Bernard en plus de Kenny Elissonde et Bauke Mollema. Excellente aussi peut-être quand Kenny Elissonde attaque pour permettre à Bauke Mollema de ne pas travailler. Jusqu'au moment où Van Aert réussit à contrer. Et là, je me suis un peu posé la question quand j'ai vu Mollema lâcher Alaphilippe. Est-ce que la Trek ne fait pas une erreur en laissant Kenny Elissonde bosser de son côté, en laissant Mollema bosser de son côté? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu autre chose à faire? C'est peut-être facile à dire a posteriori, mais j'ai eu l'impression qu'Elissonde, au final, a attendu Mollema et qu'ils ont été un peu le cul entre deux chaises, quoi. Moi, je pense que la Trek a très bien manœuvré. Je pense que c'est exactement ce qu'il fallait faire. Cramer Julien Bernard pour durcir au pied du col. Envoyer Elissonde en éclaireur pour forcer et Wout van Aert et Alaphilippe à bosser. Après, au bout d'un moment, là, pour le coup, il y avait quelqu'un de plus fort. Et quand tu luttes contre ça sur un col de 17, 18 bornes, enfin 17, c'était plus 16-17 par ce versant, et bah tu pouvais rien faire. Là, pour le coup, tu jouais battu. La stratégie, elle était parfaite. Surtout, c'est sur une étape de haute montagne comme ça. Au bout d'un moment, c'est les jambes qui parlent plus que la stratégie. En vérité, je trouve qu'envoyer Ilson devant et garder Mollema derrière avec Van Aert et Alaphilippe, c'était pas si mal parce que tu obligeais Van Aert et Alaphilippe à faire le boulot. Et Mollema, qui était censé être ta meilleure carte, tu le laissais dans un fauteuil. Ensuite, il s'avère que Mollema, bah, il n'est pas si fort que ça parce qu'il a galéré même à revenir sur Elissonde, qui était censé être le premier étage de la fusée seulement, et qui finalement, c'est lui qui a été le plus dangereux. C'est lui qui a fait peur, entre guillemets, à Van Aert. Non, parce que Van Aert l'a aussi rapidement repris, mais c'est lui qui a été le dernier à être repris par Van Aert et finalement qui est resté pendant très très longtemps tout seul derrière Van Aert. Donc moi, je pense que Trek a fait comme il pouvait faire. Tu rajoutes à ça Julien Bernard, qui n'est pas un pur grimpeur et qui avait quand même peu de chances de faire la nique à ces mecs-là sur le Mont Ventoux. Et puis chez Trek aussi, il y a une hiérarchie et on sait que théoriquement, Ilson et Mollema sont de meilleurs grimpeurs que Bernard, donc il n'y avait pas de raison qu'on donne les clés du camion à Bernard. Moi, je pense que Trek a fait comme il pouvait et comme a dit Polo, tu tombes sur plus fort. Sur une étape comme ça, il n'y a pas trop à s'en vouloir. Et GG Gorini, 2003, nous le dit aussi justement. Mollema, à contre-temps dans la première montée du Mont Ventoux, laisse beaucoup d'afflux pour revenir sur le groupe Julien Alaphilippe.
le moment où il lâche Pierre Roland, comme le dit Jules aussi dans le chat. Là aussi, il perd beaucoup de cartouches. Comme Julien Philippe, on a perdu beaucoup en début d'étape pour se bagarrer, pour prendre l'échappée. Et Marine Ledieu demande, Caruso, deuxième du Giro aussi, on ne se pose pas de questions. Alors, Marine, je te juste pour rappeler, Marin. Ah, c'est vraiment, ça se prononce, hein. Non, c'est Marin, il y a marqué Marin Ledieu. Oui, mais on peut prononcer Marine, ça se trouve. Ah oui, peut-être, oui. Oui, mais bon, on n'est pas en Angleterre, ni aux États-Unis. Ok, je ne sais pas, il va nous dire. Vous avez fini, si on dit Marine, c'est qu'il y a un E derrière. Non, ça là, dépend on dit si c'est un d'origine espagnole, italienne, j'en sais rien. Et j'ai l'impression de regarder les deux vieilles. Et j'ai l'impression de regarder les deux vieilles de Canal+, là. Comment, c'est comment déjà qui sont. Yes, qui sont marin, marin comme un marin. Bah voilà, j'avais raison. Ok. Ouais, bien sûr, t'as raison, mais c'était pas gagné d'avance. J'ai l'impression de regarder Catherine et Liliane. Voilà, vous êtes Catherine et Liliane, les deux. Je vous êtes Catherine et Liliane. Ça vous va très bien, tous les deux. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est ça, vous va. Ravir. Non, mais juste pour dire qu'effectivement, on a le droit de se poser des questions. Et d'ailleurs, ces questions-là sur Caruso, pendant qu'on était en live pendant le Giro, on se les est posées, on y a répondu. Et encore une fois, tout le monde a le droit de se poser des questions. L'idée, c'est d'en discuter et d'en discuter sereinement, sans s'insulter et sans non plus avoir en permanence des assurances totales, fermes et définitives de ce qu'on se dit. Surtout, Joseph, si je peux rebondir, c'est que là, on parlait tout à l'heure beaucoup de poids dans le chat, mais être bon sur l'ascension du Ventoux, c'est pas qu'une question de poids. Wout van Aert, aujourd'hui, il a sûrement été bien aidé par ses qualités de rouleur et par le fait que c'est un mec qui est très bon aussi pour du coup, faire une montée, disons, en suivant son seuil maximum, en regardant ses données de watts et de puissance, et en sachant que voilà, il ne peut pas aller au-delà de tel seuil sur telle durée, et il a plus de puissance dans les jambes que Kenny Lissonde. Donc oui, il a plus de poids, mais il a aussi plus de puissance. Quelqu'un faisait la remarque dans le chat de Tom Dumoulin, qui est pas forcément le plus léger des coureurs et qui pour 71 kilos, hein, Tom Dumoulin quand il performait, voilà, à haut niveau. Et qui a gagné un Tour d'Italie et qui a fait podium du Tour de France, voilà, et qui n'avait rien à voir avec un Joaquim Rodriguez qui faisait par moment moins de 60 kilos. Donc voilà, tout n'est pas question de poids. Rodriguez a gagné 0 Grand Tour, Dumoulin en a gagné 1, et si on doit avoir des doutes sur un ou sur l'autre, je suis pas sûr que ce soit Dumoulin qui est celui qu'on doit le plus mettre en cause. Je voulais qu'on parle, les gars, quand même de la performance de Julien Alaphilippe. Alors hier, on en a parlé très brièvement parce que j'étais étonné qu'il travaille autant dans le final, parce que je me disais, tiens, le Ventoux qui arrive, il a le maillot de champion du monde, il peut essayer de tenter quelque chose. Là, ce matin, il a vraiment travaillé très fort pour être dans l'échappée. Presque, j'en parlais avec les mecs du Discord, là, j'ai re-regardé, mais c'est dingue le taf qu'il a fait pour y être. Il avait vraiment envie d'y aller. Et au final, il en a presque trop mis. Polo, t'en as pensé quoi aujourd'hui de la perf de Julien Alaphilippe? Est-ce que tu l'as comprise? Qu'est-ce que t'en as pensé globalement? Bah, il tente, hein. C'est Julien Alaphilippe, il tente. Moi, j'ai quand même l'impression que maintenant, depuis une grosse semaine et depuis qu'on a quitté la Bretagne, on a quand même un Julien Alaphilippe qui n'est pas à son meilleur niveau, qui travaille beaucoup, qui donne aussi beaucoup, qui a beaucoup donné sur ce premier week-end. Voilà, moi, ce que je lui reproche peut-être, c'est de ne pas avoir bâché sur cette étape et de alors qu'il pouvait viser l'étape de vendredi à Quillan, qui lui convient quand même beaucoup plus. Après, on l'avait vu sur Chalet-Reynard en débutant sur le Tour de Provence, il a fait jeu égal avec les Bernal, et bon, Sosa avait été un peu plus fort, mais il a fait jeu égal avec un Bernal de début de saison. Il avait des bonnes sensations sur ce col, il s'est dit pourquoi pas, et il en avait des bonnes sensations. Mais comme dit Dédé, peut-être qu'il s'éparpille un peu. Là, tu as quand même des belles échéances pour lui. Carcassonne, peut-être, mais surtout Quillan. Mais Quillan, il a le temps de se remettre d'ici là. Bah oui, mais bon, c'est là, il c'est là, 3 jours. Au lieu de faire une journée où il se repose, entre guillemets, il fait énormément d'efforts. Il n'a pas une jauge illimitée, Julien Alaphilippe. Quoi qu'on il en pense. Il recharge bien, tu sais, dans PCM, là, cette Ouais, la petite jauge PCM. Mais surtout à Quillan, il a quand même une vraie chance. C'est dommage. Peut-être qu'il s'éparpille un peu. Peut-être qu'il se sent fort aussi, mais qu'il ne l'est pas autant qu'il le pense. Je ne sais pas. Moi, c'est un peu dommage de le voir dans les chapeaux aujourd'hui, je trouve. Moi, je pense qu'il a été grisé par l'étape. De se dire que c'était deux fois le Ventoux, ça l'a un peu fait vibrer. Et on sait que Alaphilippe, il court quand même beaucoup à l'émotion. Voilà, il s'est dit, si je peux aller claquer l'étape du double Ventoux, imagine, ça aurait de la gueule. Moi, je suis pas déçu de l'avoir vu devant, surtout que quand tu vois la composition de l'échappée, c'était pas perdu d'avance.
Franchement, quand c'est Van Aert, bon, ok, Van Aert était plus fort, mais ça n'aurait pas été improbable que ce soit Alaphilippe le plus fort dans cette échappée. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu vois pourquoi il s'est battu, c'est-à-dire que les favoris n'ont pas gagné l'étape et que c'est une échappée qui va au bout ou intrinsèquement, il n'y a pas de mec vraiment au-dessus de lui, sur le papier en tout cas, c'était pas complètement, complètement débile. Après, évidemment que si ton objectif c'est seulement d'en claquer une deuxième, peut-être que tu peux mieux cibler cette deuxième étape et tout mettre sur un seul jour. Mais on sait qu'Alaphilippe il court pas comme ça et qu'il est un peu plus dans l'émotion et que voilà, si l'étape du jour elle lui fait sentir quelque chose, il va avoir envie d'aller devant. Et du coup, félicitations à globalement à Van Aert pour cette victoire-là. On en termine sur ce débrief sur ce qui s'est passé devant. Maintenant, on va passer à ce qui s'est passé un peu plus derrière, c'est-à-dire à la course entre les favoris. On savait que Pogacar avait une très belle avance. On se disait tous voilà, que le tour était très clairement joué, qu'il n'y avait pas de remise en question à avoir. Sauf qu'aujourd'hui, dans le Ventoux, il s'est passé tardivement, mais il s'est quand même passé quelque chose. À 22 bornes de l'arrivée, donc on était dans le dernier kilomètre, je crois, de la montée, si je ne me trompe pas, ou un tout petit peu plus avant. Un peu avant, ouais. Bref, vraiment sur la fin du Ventoux, on a vu Vingegaard attaquer. Comment tu prononces ? Vingegaard. Ah, ok. J'ai entendu Pasteur l'expliquer, donc ah, là, c'est facile. Tu dis Ving, et après tu rajoutes Gard. Ok. Voilà. Tu dis pas Vingegaard. J'ai un pote danois, je vais lui demander ce soir. Voilà. Mais j'ai beaucoup regardé Borgen, donc c'est bon, je le maîtrise, l'accent danois. mais voilà, il a attaqué et c'est bien pour lui parce que derrière Pogacar l'a repris et sorti des roues de Carapaz et Urán notamment qui n'ont pas su suivre, et Pogacar l'a suivi un temps puisque finalement il a un peu craqué. Alors déjà les gars, est-ce que vous attendiez à une attaque de Vingegaard qui apparemment paraît fort? Oui, moi je m'attendais. Déjà, je m'attendais à une attaque. Je me disais peut-être que Carapaz serait le premier, mais on a vite vu qu'en fait, Carapaz, quand Kwiatkowski s'est écarté, qu'il n'avait pas les jambes pour y aller. Alors après, quand on regarde un peu ce début de tour et les dynamiques de chacun, bah oui, Vingegaard, c'est celui qui pour moi, montre le plus de belles choses derrière Tadej Pogacar. Donc on le voit attaquer, il met une belle attaque. Par contre, moi, ce qui me surprend, c'est de le voir lâcher un Pogacar. Et je viens de voir passer un message d'un de nos gars dans le chat qui est très intéressant. C'est que remarquez qu'il fallait qu'on remarque que Pogacar, dès qu'il faisait des gros raids en montagne, c'était toujours partant de pluie et partant un peu plus frais. Contrairement à aujourd'hui où il a fait très lourd sur les pentes du Ventoux. Il parlait de la Vuelta en 2019. Il parlait aussi du Tirreno et du début de ce Tour de France. C'est intéressant pour le coup. Moi, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est intéressant. Et là, pour le coup, on l'a vu. Tadej Pogacar sur des pentes abruptes, dans un climat un peu sec, un peu chaud. Vingegaard a réussi à le mettre en difficulté. Donc, est-ce que c'est un signe de quelque chose d'un peu plus inquiétant pour le Slovène? Je ne pense pas, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, c'était intéressant pour la fin de cette étape qui, pour le coup, on se demandait quand même quand est-ce que les favoris allaient se bouger un peu les fesses, quoi. Moi, j'ai entendu que les fans danois, vu qu'ils sortent de l'Euro ce soir, ensuite, ils vont direct dans les Pyrénées avec des radiateurs pour mettre le feu dans les montées du Tourmalet et de Lucerdidé. Ouais, ils ne vont pas brûler grand-chose dans le Ventoux, mais effectivement, ça peut être intéressant. Mais parlons-en tout de suite, Polo, parce que c'est notre débat, du coup. Est-ce que savoir si le Tour est vraiment joué? Robin, comment est-ce que tu as interprété ce coup de moins bien de Pogacar? Deux lectures possibles, très clairement, comme on l'a vu sur les commentaires globaux. Un, Pogacar vraiment... n'était vraiment pas bien et a explosé de la roue de Vingegaard, ce qui n'était pas à la base son choix. Et deuxième lecture, Pogacar s'est dit tout simplement en fait j'ai envie d'être propre, donc je veux dire à tout le monde que je suis capable aussi d'être moins bien. Et je rajouterai même une troisième lecture qui est peut-être la véritable, c'est de dire qu'il n'a pas besoin non plus de se mettre dans le rouge vu l'avance et vu l'endroit où Vingegaard met son attaque, c'est-à-dire pas loin du sommet avec une descente derrière. Ouais, je sais pas s'il avait pas envie de se mettre dans le rouge, parce que quand même,
laisser filer Vingegaard, bon, si ça te demande un petit effort, je pense qu'il peut se le permettre. C'est deux étapes plus tranquilles qui arrivent. Moi, je pense qu'il a vraiment eu un petit coup de moins bien. Est-ce que c'est dû aux chaleurs? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dû au fait qu'il a mal, il a un peu plus mal aux jambes qu'il y a quelques jours? Est-ce qu'il paye peut-être les efforts du week-end dans les Alpes? Aucune idée. Je pense que lui, il doit en savoir un peu plus, mais ce n'est même pas sûr qu'il ait la vraie réponse. Ce qui est sûr, c'est que Vingegaard, il a fait un petit peu... Un écart, et on a cru qu'il pouvait reprendre un peu de temps. Alors s'il avait repris 40 secondes, ce qu'il avait à peu près au sommet du Ventoux, ça n'aurait pas changé la face de ce Tour de France, et je pense que ça ne va absolument rien changer pour la suite. Peut-être que ça va donner un peu plus d'ambition à Jumbo-Visma et à Ineos, où ils vont se dire qu'il y a un peu plus de place que prévu, mais même s'il y a un peu de place, il y a 100 minutes d'écart, n'oublions pas, c'est beaucoup trop. Donc je pense que quoi qu'il arrive, Pogacar est très très serein. Après, le coup de bluff de Pogacar, non, j'y crois absolument pas. Quand t'es maillot jaune du Tour, t'as pas que ça à faire de mettre un coup de bluff pour que le public pense peut-être que tu es propre. En vérité, je pense même que Tadej Pogacar, il est assez loin de tout ce qu'il peut se dire sur les réseaux sociaux à son sujet. Lui, il donne son interview après course à X ou Y média, il va en conférence de presse où il n'est pas harcelé de questions sur le dopage, et ensuite il va à l'hôtel et il se repose jusqu'au lendemain. Il passe pas sa soirée sur Twitter, donc je pense pas que quand il est dans le Mont Ventoux, il pense à X ou Y qui lui a dit qu'il était dopé et à qui il va essayer de faire croire que oui, en fait il est dopé, mais il va essayer de le berner en lui faisant croire qu'il est lâché par Vingegaard. Je pense juste qu'il était moins bien. Non, mais c'est ça. Et puis s'il voulait faire du bluff, il aurait perdu du temps. Là il n'en perd pas, il se bagarre pour revenir, il fait une grosse descente aussi, notamment avec Rigoberto Urán. Voilà, s'il voulait bluffer et jouer un peu au con comme ça, enfin jouer au con, c'est pas forcément jouer au con, c'est peut-être même être malin, hein. Bah, au moins il aurait décemment perdu du temps. Là il n'en perd pas, il finit en même temps que Vingegaard, il va l'aligner au sprint en plus à l'arrivée à Malocène. Donc non, on n'est clairement pas dans ce genre de calcul d'apothicaire. Non, tu perds une minute à Luzardiden. C'est quoi la dernière arrivée au sommet? C'est Luzardiden ou c'est Col du Portet? Luzardiden, Portet, et le lendemain Luzardiden. D'accord, donc tu perds une minute, t'as 100 minutes d'avance, t'en perds une ou deux à Luzardiden pour faire genre que t'étais pas loin de craquer, pour que tout le monde dise « Ah, oh, il a eu chaud ». À la Chris Froome dans l'Alpe d'Huez. Voilà. Et là, tu peux me dire que c'est un coup de bluff. À la 11e étape du Tour, non, il n'y a pas de bluff. Hein. Et comme le dit Komasi War, je ne vois pas pourquoi il blufferait en plus, ça ne changerait rien pour son cas malheureusement. Exactement. C'est assez vrai que de toute manière, ceux qui doutent aujourd'hui de Pogacar, ce n'est pas parce qu'il a perdu la roue vite fait de Vingegaard que demain ils vont arrêter de penser qu'ils vont commencer à penser qu'il est propre. Ils vont plutôt même penser que Vingegaard est encore plus chargé, donc en fait Pogacar n'y trouverait lui absolument aucun intérêt. Un mot les gars quand même déjà pour dire que Henrik Maas a perdu du temps, que je le note quand même, mais juste aussi pour dire que Ben O'Connor a montré quand même ses limites les gars aujourd'hui. Oui, mais il reste placé général. On a le classement, j'ai un petit doute sur sa place. Oui, il reste placé. Après, on va parler d'Ineos, comme vous le voyez. Le classement général. Mais le classement général. Il reste cinquième du général O'Connor. Est-ce que c'est pas quand même une pente très descendante pour quand on sait qu'en plus, il roule moins bien que Kelderman, il roule moins bien que Lutsenko? Ouais, mais c'est pas le seul qui a eu un jour de moins bien. Kelderman et Lutsenko, ils n'ont pas été non plus aériens aujourd'hui. On a vu que Gaudu a perdu énormément de temps, que Pogacar s'est fait pas une frayeur, mais a perdu la route dans de ses concurrents. Donc voilà, sur le Ventoux et encore plus sur une double ascension, c'est pas anormal que certains gars aient un petit coup de difficulté. Mais la prochaine fois qu'il va revoir de la montagne, Ben O'Connor, ce sera dans quelques jours. Il a le temps de se refaire d'ici là. Alors après, est-ce qu'il va rester dans le top 5 ou pas, j'en sais rien, mais il est qu'à 40 secondes de la deuxième place. Hein. Ouais, enfin, je m'attendais quand même à le voir. Il était vraiment très fort. Il était très fort dans les Alpes, même en prenant l'échappée, il était quand même dans les temps à Tignes, notamment des favoris, on va dire. Il était dans les temps de David Gaudu. Donc moi, je le voyais fort. Je le voyais fort aussi avant ce tour. Il a eu cette chute en début de Tour de France. Ça a l'air d'aller mieux pour lui. Après, voilà, il paye sur peut-être le contre-coup de l'énorme effort qu'il a fait à Tignes. Voilà, maintenant, comme le dit Robin, il a quelques jours pour se reposer avant les Pyrénées qui risquent d'être assez dantesques. Je sais pas, je me demande comment ça va se passer pour lui. On peut pas dire que la dynamique soit bonne, je pense, après cette étape. Mais voilà, il est cinquième du Tour de France.
il a envie de défendre ce top 5, il va tout donner. Ce sera très intéressant. La dynamique de voir, était excellente il y a 3 jours. Elle est un peu moins bonne aujourd'hui, mais ça n'a pas encore tourné. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais quand même noter parce que Vingard aujourd'hui se trouve à 5,32. Rigoberto Urán, qui on l'a senti, n'était pas non plus dans un très grand jour, mais finalement, grâce à une allure assez modérée, a réussi à terminer dans le premier groupe. 5,32 aujourd'hui pour Vingard. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de profiter d'un coup de moins bien de Pogacar, par exemple? Qu'est-ce qui tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que vous ne sentez pas Jonas Vingard qui monte en puissance quand même? Peut-être pour aller faire deuxième, ouais, mais pas plus. Je pense que Urán, Vingegaard et Carapaz vont se battre pour le podium jusqu'à la fin. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu, je pense, aujourd'hui avec Ineos qui a roulé. Ils ont roulé pourquoi? Pour éliminer O'Connor, ensuite pour mettre assez loin Henrik Maas. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils aient roulé à aucun moment pour mettre en difficulté Pogacar. Ils sont eux aussi dans, je pense, la lutte pour cette deuxième place. Et elle va se jouer entre ces trois mecs-là. Ouais, clairement. Là, le tour, on y a cru à un moment. Hein, quand on a vu Vingegaard lâcher Pogacar, on s'est dit peut-être que le tour n'est pas terminé. Puis après, on analyse un peu, on réfléchit et on voit qu'en fait, au classement général, il y a 5 minutes. 5 minutes d'écart, c'est énorme. C'est pas 2, c'est pas 3, quoi. Et que c'est le meilleur rouleur qu'il y a devant, en plus. Et que c'est le meilleur rouleur des deux qui est roulant. Et pas de beaucoup, d'ailleurs, parce que Vingegaard est un excellent rouleur. On a découvert ça aussi sur ce Tour de France. Non, mais par rapport à Urán et Carapaz, il y a un gap. Hein. Par rapport à oui, voilà, excuse-moi, je pensais que tu disais ça dans l'autre sens. Mais au oui, global, tout, en fait. Au global, les 4 premiers, c'est le meilleur. Vingegaard est le meilleur. Vingegaard, je crois que tu parlais via Pogacar. Oui, je parlais via Pogacar. Pogacar est parmi les 4 premiers. Et vis-à-vis des 3 mecs qui pourraient estimer avoir une mini chance de renverser le Tour de France, ces 3-là roulent moins bien que Pogacar, même si Vingegaard, tu as raison, est pas trop loin. Il a fait un super premier c'est coup. C'est ça. Par contre, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que Tadej Pogacar n'est pas invincible. Donc, certes, il ne sait pas pour reprendre 5 minutes d'un coup. Mais dans les Pyrénées, il faut l'attaquer parce que reprendre 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, pourquoi pas, c'est possible. Il faut continuer de l'harceler. Il faut croire en leur chance. Moi, j'ai eu l'impression aujourd'hui, avant l'attaque de Vingegaard, que Carapaz et même Urán, ça semblait un peu résigné. On les voyait assez forts les deux. Ils ont hésité à l'attaquer. Et après, ils ont pris un contre de Vingegaard et de Pogacar. Mais je pense qu'il faut continuer de l'agresser. On a vu que le train Ineos, finalement, a mis un peu en danger Pogacar, puisque Pogacar en a souffert de ce train. Donc écoute, moi, j'ai envie de voir plus de mouvements, et je pense que cette étape va donner envie aux adversaires de Pogacar de tenter des choses. S'il y a un mini-espoir, c'est de te dire que Pogacar, il n'a jamais vraiment été mis en difficulté, et que peut-être que lui reprendre ne serait-ce qu'une minute, ce qui ne serait pas énorme par rapport aux 5 minutes d'avance qu'il a, ça lui mettrait un doute, et voilà, que tu peux instiller quelque chose pour la suite du tour. Mais honnêtement, moi, je pense que tout est joué. Si tu me dis que Urán ou Vingegaard ou Carapaz gagnent le tour, non, aujourd'hui... Je ne te dirai pas ça. Maintenant, je pense que ce soir, on a beaucoup moins l'assurance totale, si ce mot existe, parce qu'en théorie, l'assurance suffit, mais l'assurance totale que Tadej Pogacar va gagner avec 20 minutes d'avance. Ah, mais alors que les 15 soient... Oui, 20 minutes, ok. Ça, c'est la première chose. Ce soir, après cette étape, dans un Ventoux qui a été escaladé, certes 2 fois, mais une allure relativement modérée, on l'a dit avec le train d'Ineos, qui n'était pas si tambour battant. Hein, Guillaume Martin, par exemple, qui lui-même reconnaît qu'il n'est pas dans la forme de sa vie, a réussi à terminer pas si loin. Je me dis qu'un Pogacar qui n'arrive pas à suivre l'unique attaque d'un de ses prétendants, d'un de ses adversaires qui est en plus jeune, Vingegaard, c'est pas non plus un prétendant incroyable, je me dis que ça montre quand même une relative faiblesse. Et la troisième chose, c'est que les Pyrénées, c'est très dur, 4 étapes très difficiles, et que effectivement il va faire très chaud, il va faire plus chaud qu'en début. Donc moi, je fais un pari, Joseph, c'est que Pogacar aujourd'hui il a 5-18 d'avance sur Urán et qu'il gagnera le tour avec plus que 5-18 sur son dos. Moi, je pense qu'il gagnera avec moi, mais qui gagnera quand même. Moi, je pense que Urán ne sera pas le deuxième de ce Tour de France, non, et qu'il gagnera avec à peu près l'écart qu'il a avec avec Vingegaard aussi. C'est dur à dire. Aujourd'hui, il est peut-être un petit jour de moins bien. Peut-être que ce sera le seul de ce Tour de France. Peut-être que c'est le début d'une dynamique négative pour Pogacar, qui va perdre du temps sur la première étape à Andorre et qui le lendemain va chuter parce qu'il n'est plus du tout lucide. On n'en sait rien. Pour le coup, aujourd'hui, on a eu une petite alerte pour lui. Mais c'était une alerte sans aucune conséquence, puisqu'il ne perd même pas une seconde.
et il finit même devant Vingegaard sur l'étape du jour. Donc on va voir. Évidemment, on est en train de se rendre compte que Pogacar, quand il fait chaud et que c'est compliqué, il est peut-être friable. Espérons qu'il fasse chaud, mais bon, si on en est là, c'est que quand même c'est mal parti. Joseph, tu es en train de dire que la startlist du tour est nulle. JT, non, je dis pas que la startlist du tour est nulle, je me permettrai jamais de dire ça. Mais par exemple, Stephen Roche lui-même le dit en ce moment dans les médias que c'est pas non plus une startlist de dimanche champion et qu'il a des adversaires qui, pour le moment, ne le mettent pas assez en difficulté. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé aujourd'hui, ce soir, dans les quarts, on a une petite lueur d'espoir. On se dit, il y a un monde qui existe, qui n'existait pas ce matin, dans lequel Pogacar peut être mis en difficulté. Voilà, comme l'a dit Polo, il n'est pas invincible. Donc, pourquoi pas. En tout cas, je pense que l'étape d'aujourd'hui leur a donné peut-être des idées pour essayer de tenter des choses. Donc voilà, on a terminé avec ce débat-là. Les amis, on va passer tout ce qui concerne l'étape d'aujourd'hui. Il y a encore pas mal de trucs à réfléchir, dont on peut parler, hein, que ce soit la stratégie d'Ineos, évidemment... David Gaudu, malheureusement, on le garde pour la chatroom. N'hésitez pas à garder vos questions et on reviendra dessus. On avance un peu dans notre émission et on va parler de l'étape de demain. Assez rapidement, hein, parce que c'est pas non plus l'étape la plus incroyable de ce Tour de France, bien qu'elle peut être le théâtre d'un moment historique, hein, parce que ça peut être le jour où Cavendish égale le record d'Eddy Merckx. Donc c'est la question que je vous pose, les gars, est-ce que c'est ce qui va se passer demain? Moi je pense pas, je pense que Cavendish sera battu enfin ça fait 3 sprints que je dis ça, mais encore une fois tout semble se dérouler comme sur des roulettes pour lui depuis le début, notamment ce dernier sprint hier où il n'était vraiment pas le meilleur. Mais il arrive quand même à gagner sur un bout de Van Aert qui est dans la forme de sa vie. Il sera peut-être un peu fatigué demain. Il sera peut-être un peu fatigué, mais visiblement la fatigue ça intéresse pas tous les coureurs de ce Tour de France. Il y a d'autres coureurs qui ont moins donné. Je pense à Philipsen demain, nous dit Bilal. Moi je crois beaucoup en Philipsen aussi. J'ai envie de voir. Ça va dépendre de la mise en place du train. J'ai pas analysé encore le final de l'étape, mais ce qui est intéressant aussi sur cette étape demain, c'est le Mistral annoncé et les bordures prévues en première partie de d'étape, avec des vents entre 55 et 60 km/h. Voilà, Michel nous dit. Alors voilà, c'est un peu loin de l'arrivée, mais c'est une étape très courte de 160 bornes qui va aller très très vite. On l'imagine, s'il y a des bordures, plus de la bagarre pour prendre l'échappée. Attention à Cavendish, même si là, les quick steps sont en mission, ce sera quand même compliqué d'aller les emmerder. Van Aert demain, c'est possible en fait. Bien sûr que c'est possible. Oui, c'est possible, mais je pense que... Ça, c'est l'arrivée, les gars. Ah oui, c'est une longue ligne droite, c'est ça ? Ligne droite avec un petit rond-point, mais vous savez, maintenant, les ronds-points, s'ils sont larges, en fait... t'as la possibilité de le prendre comme une ligne droite et le rond-point il est à 500 mètres de la ligne quoi. Moi je pense que c'est une longue ligne. Mais ça a dit quoi les délais, parce que j'avoue que on n'a pas pu suivre l'arrivée. Ah oui, le délai, il y a Lucros qui n'est pas passé et un autre coureur, mais Boigny est passé de justesse. Et Cavendish aussi. Et Cavendish est passé avec 4 minutes, 5 minutes d'avance, quelque chose comme ça. Ou même un peu plus même. Donc, je pense que Cavendish claque la 34e demain. Moi, je pense pas. Dites-nous le chat, qui est votre favori pour demain, sachant que Mark Cavendish a enlevé son casque dans Mouvantou, d'ailleurs, pour saluer la mémoire de Tom Simpson, dont on va parler juste après, qui était effectivement son compatriote. C'était une belle image. Van Aert pour Simon, Cavendish pour le cyclisteur, Nasser Bouhanni pour Jules. Moi aussi, je continue d'y croire, moi. Alors, ouais. Je ne sais pas si tu as vu, Robin, mais malheureusement, Clément Russo a abandonné aujourd'hui. C'est pas un avantage pour Boigny, mais c'est pas le seul qui a. Et Dan McLeay aussi. Hein. Dans son train. Ah, McLeay aussi. Alors, il y a. Ça commence à sentir mauvais. Tony, ouais, Dan McLeay aussi. Je n'avais pas vu, mais c'est peut-être le plus important.
Ok, ouais, bon, bah, c'est deux poissons clairs. Ça rend la chose plus difficile. Ouais. Surtout que Cavendish, lui, il aura tout le monde autour de lui. Mais malgré tout, j'en démords pas. Boigny aura la possibilité d'en claquer une d'ici Paris. Ouais. Ça se trouve, ce sera sur les champs et ce sera encore plus beau. Victor Campenot aussi a abandonné. Tosh Van Der Sande, Miles Cotson et Tony Martin. Voilà. Et après, c'est des abandons. Je ne suis pas sûr que ce ne soit que des hors-délais. Scottson et Armirail malades. Goduc a des problèmes digestifs aujourd'hui. Il faut vérifier ce qu'ils bouffent, hein, les coureurs chez Groupama FDJ quand même. Ouais, c'est vrai que ça a été assez triste, ça aussi. Ok, bon, ben voilà pour la preview de demain. Je commençais à en parler. Du coup, Robin, ça va être à toi. C'est vrai voilà. Je laisse ma place. À ce point-là ? À la gorge. Ah ouais, je laisse ma place. Et tu vas où ? Je vais faire pipi. Ah. C'est classe. On adore. Du coup, Robin, aujourd'hui, tu nous parles donc de Tom Simpson. Exactement. Alors, pourquoi et comment, on le rappelle, Tom Simpson, britannique, est décédé sur les pentes du Ventoux ? Bah, Tom Simpson, parce que voilà, il y a le Ventoux qui est passé aujourd'hui. Et surtout, l'histoire de Tom Simpson, elle est connu de beaucoup de fans de vélo et on va pas y revenir tant que ça en détail sur les causes de sa mort et comment ça s'est passé. Ce sera un peu redondant, je pense, mais je voulais évoquer les à côté qu'il y a eu autour de ce drame, à la fois le traitement médiatique et les avancées qu'il y a eu pour la lutte anti-dopage. Parce qu'à l'époque, le dopage, c'est à moitié un sujet, en fait. Antoine Blondin écrit à cette époque-là, donc on est la mort de Simpson, pour rappeler, on est en 1967. Donc, dans ces années-là, Antoine Blondin écrit, on a certes envie de leur dire qu'il ne fallait pas faire ça. Il parle des coureurs. Donc, ça, c'est se doper. Mais on peut demeurer secrètement ému qu'il l'ait fait. Donc, Antoine Blondin, il dit, en fait, c'est émouvant qu'il se soit dopé pour, en parlant des coureurs en général, pour avoir droit aux louanges, pour avoir droit au podium, à la victoire, et finalement à cette gloire. Antoine Blondin, il dit, aux acclamations du public, finalement. Et il prend ça comme finalement, alors, un petit aveu de faiblesse, oui, mais aussi le fait que les coureurs avaient envie d'avoir leur moment de gloire. Et il y a Roland Barthes, notamment, non, pardon, Jacques Marchand, qui est ancien journaliste à l'équipe, et qui dit, en revenant sur cette époque-là, sur les années 60, et il dit « La presse d'après-guerre a manqué de vigilance, de compétences et peut-être parfois de courage pour ne pas se créer trop d'ennuis sur les vrais problèmes du dopage. » Il parle notamment de la presse sportive qui était la plus concernée et la plus compétente pour parler de ces sujets-là. En fait, dans les années 50, on a les pro-dopage et les anti-dopage chez les journalistes. Roland Barthes, qui est un auteur qui a beaucoup écrit sur le Tour, il est un des rares à être du côté des anti-dopage, à dénoncer ce qui se passe. Mais finalement, ce n'est pas la majorité des journalistes et des observateurs. On a tendance à glorifier le sport, les champions et leurs exploits. Et le dopage, il est quasiment secondaire dans cette histoire-là qu'on raconte à cette époque. En 1951, on raconte même que Serge Lang, qui était un journaliste de l'équipe, il avait des choses un peu sombres à raconter sur Hugo Coblet, vainqueur du Tour de France cette année-là, mais il n'avait pas pu le faire dans les colonnes du journal L'Équipe et il avait dû aller écrire un livre à côté pour pouvoir raconter ces histoires-là. Et du coup, ils arrivent quand les premiers contrôles antidopage ou alors en tout cas ce qui s'apparente à des contrôles, quoi ? Bah, les premiers contrôles, ils arrivent sur le Tour en 1965 et c'est pas la mesure la plus populaire auprès des coureurs. Anquetil, lui, par exemple, il se rend pas toujours au contrôle antidopage quand il est désigné et il dira à un moment aux organisateurs « Vous croyez quand même pas qu'on peut courir votre Tour en ne buvant que de l'eau Vittel ?» Donc le message est assez clair, même si le dopage de l'époque n'a rien à voir avec ce qu'on verra plus tard. On est sur des produits très basiques, quelques cachets qui font office de cortisone, des amphétamines et puis pas grand-chose de plus. Mais c'est le décès de Tom Simpson, finalement, en 1967, qui va faire bouger les choses. On va commencer à prendre le dopage au sérieux. Il y a déjà eu des décès, des accidents louches, mais jamais à la télé, jamais sur le Tour, et en plus dans une ascension mythique comme le Ventoux. Pour rappeler très rapidement le décès de Tom Simpson, dans le Ventoux, il s'écroule une première fois, il repart, il s'écroule de nouveau, cette fois-là, il ne se relève pas. On découvrira qu'il avait des amphétamines dans les poches de son maillot et qu'il avait consommé du cognac, même si en interview, et c'est très intéressant, en interview, la fille de Tom Simpson, dans L'Équipe d'aujourd'hui, je vous invite à aller le lire si vous ne l'avez pas vu, elle remet en question cette histoire du cognac, enfin, pas le fait qu'il en ait pris, mais le fait qu'il en ait pris volontairement, parce qu'on a eu tendance à décrire Tom Simpson comme un alcoolique. Elle raconte une anecdote qui est contée par un des coéquipiers de Tom Simpson de l'époque, où en gros, il explique qu'à l'époque, les coureurs n'ont droit qu'à 4 bidons
par étape du tour. Donc, il manque, en fait, quand il fait chaud et quand ils ont soif, il manque de boissons. Et du coup, certains coéquipiers s'arrêtaient dans des bars, des restaurants, des cafés, ce que vous voulez, pour attraper ce qu'ils pouvaient et les donner ensuite à leur leader. Et donc, un coéquipier de Simpson sur ce tour 67 raconte qu'il s'est arrêté dans un café, il a attrapé 3 boissons, il est remonté dans le peloton. Il a donné un coca au premier qu'il a vu, à son premier coéquipier, un coca au deuxième, et puis quand il arrive auprès de Tom Simpson, et il n'a plus qu'un cognac, en fait, et Tom Simpson lui dit, c'est pas grave, donne-le-moi, je démarre le Ventoux dans 2 minutes, dans 2 kilomètres, là, il me faut quelque chose, j'ai la gorge très sèche, il faut que je puisse boire, et donc il boit un peu ce cognac par défaut. Et à noter que Pascal Charouin, qui est un universitaire qui a pas mal travaillé sur le sujet du dopage, il résume ce moment-là, le décès de Simpson, en disant, on passe d'un dopage gay, joyeux, un interdit dramatique, triste et inacceptable sur le plan éthique. La bascule, elle se fait petit à petit, mais Simpson, c'est l'élément déclencheur, alors qu'il ne se déclenche pas immédiatement, mais qui met les prémices des premières questions. Il y a Paris Match qui pose la question en une, après le décès de Simpson, le doping va-t-il tuer le sport ? On parle à l'époque de doping et pas encore de dopage. Mais l'équipe, dans l'édition qui suit, dans l'édition du lendemain de la mort de Simpson, titre seulement « Simpson, défaillance tragique dans le Ventoux ». Les faits sont relatés presque laconiquement. On parle alors de Simpson comme d'un champion. On ne veut pas le dégrader. Sa mort, elle ne fait même pas le gros titre du journal, puisque la une, c'est sur le résultat du jour au Ventoux. Malgré tout, il y a Jacques Godet, le directeur du journal, qui pose la question du dopage. Il est à la fois directeur du journal et directeur du Tour de France, donc une position un peu délicate. Quelques jours plus tard, le sujet revient sur la table au moment des obsèques de Simpson. Godet en reparle, il parle de dopage, mais il charge surtout Jacques Anquetil, qui est le leader du peloton, et notamment côté français. Et on continue à l'époque de rendre hommage à Tom Simpson dans ces jours-là qui suivent la mort. C'est seulement l'hommage. Et du coup, il y a eu un vrai changement à partir de la mort de Simpson, en gros, quand on comprend les causes de la mort, quoi. C'est ça, même le traitement de l'affaire Simpson change quand on sait qu'il y avait des amphétamines et du cognac qui étaient impliqués. On passe d'un accident, ça reste un accident, mais on passe de l'hommage à « on charge Simpson ». On essaie d'expliquer pourquoi lui s'est dopé, pourquoi lui a pris des amphétamines. On le fait passer pour quelqu'un un peu d'instable. Alors que c'était pas forcément le cas, mais on veut que Simpson soit la brebis galeuse. On s'en désolidarise, même chez les coureurs. On vient en interview pour dire moi je savais pas qu'il prenait ça, hein. Moi je fais pas pareil, et tout le monde veut vraiment être différent de Simpson. À l'époque, les journaux qui tapent le plus sur le dopage et qui en parlent le plus, finalement, c'est Miroir du cyclisme et Le Miroir des sports, qui sont des journaux communistes, mais ils accablent pas directement Simpson. Ils parlent surtout du tracé du Tour de France qui est pour eux trop difficile, et ils mettent en avant les conditions de travail des coureurs. Communisme oblige. Alors on peut comprendre ce traitement médiatique. Tout ce petit monde du vélo est confronté au dopage pour la première fois, finalement, à ce moment-là. À la mort, en tout cas, à cause du dopage, c'est une première. Et puis au dopage, de manière générale, c'est tout récent. 50 ans plus tard, tout le monde est un peu plus rodé à ce sujet-là. À l'équipe, on a longtemps après mis en place une cellule d'investigation qui a permis notamment de révéler le dopage de Lance Armstrong en 2005. Et au-delà de ce qui a été écrit à l'époque, il y a ce qui a changé dans les instances. En 1966, avant la mort de Simpson, il n'y a que vraiment le cyclisme et la natation qui ont des tests antidopage. Mais en 1968, donc un an après l'événement du Ventoux, les contrôles sont instaurés par le CIO au JO de Mexico. Et ça suivra sur une lutte antidopage de plus en plus efficace, même si elle est toujours critiquable. Elle a parfois été pointée du doigt et à juste titre. Il y a eu parfois même des dirigeants qui étaient corrompus. Mais en tout cas, la lutte antidopage a vraiment démarré au moment de ce drame-là. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Bradley Wiggins qui est tout le temps sur la moto pour GCN. Et en fait, il expliquait que dès que le Ventoux est placé sur la route du Tour de France, pour les Britanniques, c'est vraiment un moment hyper fort. En fait, pour eux, le Ventoux, c'est une magnifique ascension, mais c'est l'endroit où un de leurs coureurs les plus mythiques a perdu la vie. Parce que, comme l'a dit Robin, Tom Simpson, palmarès long comme le bras, champion du monde, Tour des Flandres, Milan-San Remo, Lombardie, Bordeaux-Paris aussi, pour tout dire. Mais ça a été une des raisons aussi pour lesquelles sa mort et les raisons de sa mort ont mis du temps à vraiment faire bouger les choses. Mais au final, elles ont quand même bien fait bouger les choses. Et comme quoi, médiatiquement, c'est toujours compliqué d'en parler. Ouais. Même pour nous aujourd'hui, c'est compliqué d'en parler. Et on y revient, mais lisez encore ce que dit Jacques Brunel. Philippe Brunel.
des formations professionnelles rugby. Mais à ce propos-là, comment voir le cyclisme? Et c'est vrai qu'il en parle très, très bien. Merci, Roby, pour... Allez. Je me rapproche un peu. On a switché. Ouais, il y aura juste un échange de... Un échange de noms, voilà. C'est tout. Polo, tu es du côté de Robin. Mais on va changer, alors. On change. Il faut toujours se dire, s'il y a un nouveau qui tombe à ce moment-là et qui pense que tu t'appelles Paul et que je m'appelle Robin, il va être perdu après. Donc autant faire les choses bien. Ouais, effectivement. Donc voilà. Chatroom, les copains, merci Robin pour cette rétro, encore une fois, qui était au top. Vous pouvez y aller. Un petit mot sur la fantasy. Très bien. Ça arrive. Ouais, allez, le temps que les questions arrivent, on fait un petit point. La première information, c'est que Joseph, quelqu'un qui s'appelle Joseph dans la fantasy, est passé de la 50e à la 30e place. Donc, remonte 33e place exactement grâce à son prono Carapaz. Et attention, il n'a encore parié ni Oura ni Pogacar. Donc, il peut remonter très fort. Deuxième information, Romain reste leader, 106 points, une belle avance sur X-Creek, 129 points, et record, et troisième avec 130 points. Les gars, je vous cherche, je dois aller peut-être dans le groupe Eto. Oh non, Polo, la belle remontée, 58e. Moi, je suis bien, gros. Moi, je parle pas, mais je suis bien, et moi, je suis encore des bons coureurs à placer. Ouais, 364 points. Bon, t'es quand même un peu loin, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'étais 113e hier, Joseph. Tu étais 113e, Roby. Eh bien, écoute... je crois. Je te vois pas, là. Tu es peut-être un peu remonté. Tu es peut-être j'avais mis Oura, donc j'ai pas dû marquer beaucoup de points. Et est-ce que tu te souviens du nombre de points que tu avais... t'es 106e. Il est là, ouais, 106e, Robin. Ah, finis dans le top 100, comment, frère? Exactement. Michel, il dit dans le chat, faites un rappel pour dire qu'il faut valider ses paris avant le début de l'étape. Là, je crois que si je dis pas de bêtises, Michel va confirmer. On peut parier pour l'étape de demain. Oui. Et il faut évidemment valider votre prono avant le départ. Donc, généralement, c'est vers midi. Il y a des questions et il y en a des belles. Que pensez-vous de Sagan chez Total Energy? Il vient avec toute sa bande en plus. Ouais, moi ça m'emmerde un peu. Hein. Enfin, je suis pas très ravi. Ah ouais, okay. Sagan en V2. J'ai peur que ce soit la fin du grand Sagan, quoi. Ah ouais. Ok. Enfin, après, c'est des histoires de gros sous, de sponsoring aussi. On sait que on connaît bien ça. Que Specialized est dans la danse. Ouais, sportivement, ça ressemble à une petite mort. Voir Sagan dans la division 2 du cyclisme professionnel, ça frustre un peu. On va quand même attendre de voir. On ne sait jamais, mais j'y crois pas. C'est un peu, ouais, je suis un peu dessus, ouais, un peu dessus. Ok. Bon, moi, je suis. Enfin, pour le coup, je comprends le point de vue. Maintenant, je suis hyper heureux pour Total Energy qui prend un gros coureur, qui va avoir une belle visibilité et en plus un Sagan même qui va moins bien avec un genou en moins, et il continue à faire des top 5 sur le Tour de France, à être présent, à être suivi. Donc, en fait, il va remplacer qui chez Total Energy? Surtout, ce que je me dis, c'est que quelque chose de mieux, quoi. Dans une équipe super française comme ça, au-delà du coût marketing et de peut-être quelques résultats par-ci par-là que oui, Sagan va faire et que tes autres coureurs ne peuvent pas faire, quelle va être l'intégration de Sagan dans une équipe comme ça? Est-ce qu'il va vraiment aller au manoir des Essarts pour s'intégrer dans la vie de groupe de l'équipe Total Energy? Ou est-ce qu'il va rester chez lui où il a envie? Alors, je ne sais pas où il vit en ce moment, je ne sais pas s'il vit en Italie ou pas, mais dans une équipe très internationale, pour moi, Sagan, ça a du sens, parce que voilà, il peut faire le lien entre pas mal de gens, mais là, en fait, ça va être lui et en quelque sorte le petit groupe qui est créé autour de lui avec son frère, avec Bodnar, avec... C'est toujours ça, de toute manière, je pense que c'était déjà ça chez la Bora. Je ne pense pas, parce que chez Bora, tu vois, tu avais d'autres Italiens, tu avais quand même une base de coureurs qui pouvaient être un peu proches. Et avec un Sagan qui était qui était le leader de ces mecs là mais là j'ai vraiment l'impression qu'on va parachuter Sagan dans quelque chose qui existe déjà et j'ai du mal à voir comment ça va fonctionner. Après, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui existe aujourd'hui chez Total. Quand tu vois leur équipe, certes il y a 5 Français mais tu as 3 étrangers. L'identité Total, je trouve qu'elle n'existe pas vraiment en ce moment, et je suis par exemple très heureux pour un Anthony Turgis qui puisse profiter de l'expérience d'un Peter Sagan proche de lui sur des courses, et que ça peut même lui permettre de gagner, d'avoir un Peter Sagan sur lequel on va avoir beaucoup de visibilité. On avance. Une deuxième question, les gars. Est-ce que vous avez vu des questions qui vous intéressent, Polo et Robin?
Sachant que on nous a parlé de l'interview de Thibaut Pinot dans le Parisien. J'ai pas pu la lire, il raconte quoi? C'est vraiment livré à cœur ouvert sur notamment le fait qu'il a eu, il est passé par des moments très, très, très difficiles. Alors après, c'est touchant, c'est Thibaut Pinot. Voilà, maintenant, c'est des choses qu'on sait, qu'on a imaginées, et maintenant, on a envie de savoir ce qui va se passer après. Maintenant, j'attends Thibaut Pinot sur la route. J'attends Thibaut Pinot de retour et j'espère qu'il va vite mettre cette dernière année terrible pour lui psychologiquement. Il a dit quoi à propos de ses objectifs, un potentiel retour Il a dit que ça, qu'il avait eu des problèmes. Il espérait mettre un dossard d'ici la fin, il a dit. Il a dit ça, mais il a aussi dit que le problème de son dos lui ont fait forcer sur d'autres régions de son corps, qui a provoqué un déséquilibre et des douleurs aussi dans d'autres parties de son corps. Ça a mis aussi du temps à se résorber. Donc ça prend du temps. Il a cet objectif-là, mais il a mal. Il a encore mal. C'est encore compliqué. Donc on va attendre. Il faut encore qu'on attende activement. Et 2021, ça me paraît compromis quand même. Godu, coup de chaud ou début de maladie, demande Punk Brio. Alors, si vous n'avez pas vu l'étape, effectivement, Godu a passé une journée galère, lâché dès le début de la première montée du Ventoux. Derrière, il a été aidé par Armirail, il a été aidé même par Pierre Latour. Génial l'attitude de Pierre Latour à noter. Entre Français, s'aider comme quoi c'est possible. Pas qu'il y en a d'ailleurs qui ne l'ont pas fait, mais juste noter que c'était une très belle attitude, très cyclisme. Ensuite, les gars, à propos de Godu, alors au début, je regardais Eurosport, ça parlait de maladie, j'ai zappé sur France TV. Frédéric Guédon, le directeur sportif de la Groupama, a dit non, il n'est pas du tout malade, il a juste. Il n'a pas supporté la chaleur et il n'a pas supporté le départ rapide. Donc, communication un peu étonnante, même si on a eu l'impression de voir Godu un peu vomir, mais on ne sait pas vraiment si c'était de l'eau ou quoi. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que Godu est complètement lâché pour le classement général et que déjà, on a vécu une journée hyper triste, quoi. C'est une des infos du jour, quoi. Ouais, David Godu a parlé de problèmes digestifs. Alors, ça pourrait être de pair avec le comportement qu'on a vu de lui aujourd'hui et aussi la manière de… on l'a vu plus ou moins vomir, tu l'as dit. Après, ça, c'est couillon que ça tombe là parce qu'il prend un énorme tir au classement général. Alors, c'est couillon, oui et non, dans le sens où on en parlait déjà il y a quelques jours. Certains disaient qu'il aimerait bien le voir se concentrer sur des victoires d'étape comme il avait pu le faire sur la Vuelta notamment. À un moment où il y avait un peu plus de latitude au classement général. Maintenant, s'il n'est pas malade sur le long terme et que c'était juste un petit poisson avarié ou un truc qu'il a mangé et qui n'est pas passé, on risque de le retrouver en forme d'ici demain ou après-demain. Et maintenant il est à 30 minutes maintenant, je crois, au classement général. Qu'il aille chercher les étapes. Et pour le coup, on va avoir un nouveau Godu et un Godu plus spectaculaire. Et c'est cool aussi, maintenant que le classement général est définitivement terminé. Très bien. Une dernière question sur la chatroom. Est-ce qu'il y a une question qui peut être intéressante? On peut passer au quiz, hein, sinon. Je voulais C'est vrai que là, il n'y aura pas d'histoire de délai. Lutsenko, vous en pensez quoi? Parce que lui, pour le coup, effectivement, c'est une bonne dernière question. On n'en a pas trop causé. Lutsenko fait un très très beau Tour de France. Là où forcément, on l'attendait pas vraiment, hein, parce qu'aujourd'hui, je vous mets le classement général. Il est 7e à 6:30. Pas mal. Bref, après, à partir de O'Connor, c'est un classement général de Vuelta. Sans vouloir être méchant. Lutsenko. Lutsenko est à un très bon niveau depuis maintenant un mois et demi. Comme le dit Bilal, j'imagine quand même pas tenir 3 semaines à ce niveau-là. Après, il est surprenant. Déjà sur le Dauphiné, moi, il m'a surpris. Alors après, à voir. Pour le coup, Lutsenko, c'est quand même bizarre. C'est quand même à croire qu'on a vu performer très tôt dans la saison et qu'il a eu du mal à tenir la distance. C'est à croire qu'on a vu performer par éclair sur des courses difficiles avec des arrivées au sommet, etc., mais jamais sur la durée.
Donc voilà, surprenant de le voir passer ce cap, en tout cas sur cette première semaine et demie. Mais c'est vrai qu'au bout de deux semaines, trois semaines, j'ai quand même du mal à le voir. J'ai quand même du mal à le voir plus haut qu'il est là, quoi. Et même plutôt plus bas. Robin, tu penses pareil? Ouais. Pour moi, les arrivées au col du Porté, très haut en altitude, et à Lussardiden sur un enchaînement de cols et d'étapes difficiles, ça va être le juge de paix. Alors, enfin, moi, en même temps, j'invente rien quand je dis que les deux grosses étapes pyrénéennes vont décider du classement général de Lutsenko. Mais plutôt, je serais surpris qu'il tienne sur ces deux étapes-là. Et je pense qu'il va sortir du top 10. S'il ne sort pas du top 10, c'est une très, très grosse perf. D'accord. Le quiz, du coup, c'est parti pour le quiz. Alors, je ne vous le cache pas. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de très bien préparer. Pas grave. Il est déjà 20h05, Joseph. On va faire... Voilà. C'est vrai que ça fait bientôt une heure qu'on est ensemble. On ne voit pas le temps passer en même temps. Trois qui suis-je, les gars? Okay. Le premier, qui suis-je? Je suis un coureur. Ouais, je ferme le chat. Ouais, oublie pas. Ouais. Je ferme le chat. Et là, en plus, on est sûr que du coup, plus personnel. Là. Je suis un coureur français. J'ai couru dans deux équipes françaises dans ma carrière. J'ai rejoint la deuxième équipe française en 2019. Alexandre Géniez? Non. Pierre Latour? Non. Cette équipe-là a changé en partie de sponsor cette année. Anthony Turgis? Non. Pas changement de sponsor, ça. Lilian Calmejane. Changement de nom. Ce n'est pas Lilian Calmejane. Non. C'est pas Lilian Calmejane? Villermoz. Non. J'ai participé à deux Tours d'Espagne et je participe actuellement à mon premier Tour de France. Burgos? Non. J'ai gagné deux fois Paris Camembert. Cette année. Simon. Ah putain, non. Bien joué. Non. Ah. Non, putain. Et en 2020, et j'ai gagné deux fois le prologue des boucles de la Mayenne. Damien Godin? Non. Regarde quand il est bon. Pas loin. Pas loin, ça veut dire quoi, pas loin? Ah bah tu vas comprendre. Dans la prononciation, c'est pas loin du tout de Damien Godin. Damien Ça a été trouvé dans le chat. J'ai 25 ans, né à Vitry-sur-Seine. Je cours donc chez AG2R Citroën. Alexis Goujard? Non. Non. Ah, il court chez Citroën. Moi, je croyais qu'il courait chez Total Energy. Putain, mais on est chez Citroën, hein. Aurélien Paré-Peintre? Non, il a dit c'est proche de Godin. Je suis donc actuellement sur le Tour de France. Terrible. Oui. Comment je peux vous aider autrement? Attends, un mec d'AG2R sur le tour, il n'y en a pas 1000. Comment je peux vous aider? Michael Char? Non, c'est pas du tout ça. Non, j'ai prolongé mon contrat jusqu'en 2024. Il est nul. Je suis kiné. Il est kiné? T'es kiné. Voilà. J'ai les mêmes initiales que directeur général et que Damien Godin. Dorian Godon. Oui. Je ne sais même pas qui il est kiné. Bah, il est kiné dans la vie, je pense. Ah bon, il est kiné dans la vie, Dorian Godon. Kinésithérapeute. Ah, okay. Je ne sais plus quoi vous dire pour vous aider, mais donc du coup, je vous laissais réfléchir en vous donnant un peu aussi des informations pourries. Bravo à Maury, tu l'as trouvé le premier, à Maury Sepp. Félicitations. Il y a du monde qui a dû trouver avant nous. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, effectivement. Même si je l'ai choisi parce que justement aussi, c'est pas forcément un coureur qui est connu parfaitement du grand public, donc. Ça ne doit pas être facile non plus de le trouver quand on ne l'a pas en tête. Deuxième, qui suis-je? 2-0 pour, enfin 1-0 pour Robin. Je suis né entre 80 et 90. J'ai de très belles courses à mon palmarès. J'ai gagné le classement par points du Tour d'Espagne 2011. Mais ça n'a pas forcément vous aider parce que je suis plus un grimpeur. Valverde? Non. Moreno? J'ai été champion du monde du contre-la-montre par équipe en relais mixte. J'ai terminé quatrième du Tour de Lombardie 2020. Voilà les courses dans lesquelles vraiment je performe. Quatrième de la Flèche Wallonne. Visconti? Non. Sixième de la Flèche Wallonne 2018. Septième du Tour de Pays Basque.
8e de Liège-Bastogne-Liège. Samuel 2e Sanchez. Du Tirreno-Adriatico 2015. Ce n'est pas Samuel Sanchez. J'ai aussi gagné notamment, et c'est ma victoire la plus importante, la Classica San Sebastian. Mollema ? Bocque Mollema. Bravo. Bravo, Bocque Mollema. Il a porté le maillot rouge sur la Volta. Comment ? Il avait porté le maillot rouge sur la Volta même. Ah, ok. Je ne savais pas. Mais le maillot par point, je ne me rappelais pas. Ah, voilà. Un dernier, comme ça on allez. Aura terminé, les copains. Mm-hmm. Allez, je le tape. On me dit l'année dernière. J'ai un trou. Fugelson ? Non, c'est il y a 2 ans. Non, c'était Mollema il y a 2 ans. C'est Fugelson. Quand Evenepoel tombe, c'est Fugelson qui gagne. C'est vrai, Catherine et Liliane, là ? Ouais. Non, c'est Fugelson, là. Check Fugelson. Je suis né. Attends une seconde. Vous cherchez quoi, là, le Bencho, là ? C'est pas possible. Ah, c'est bon, regardez qui avait gagné le Tour de Lombardie l'année dernière. J'avais Bennett et Vlasov. J'avais bon. Aucun souvenir. Je suis né à Baden. C'est bon, Robin, il l'a pas. Ça me rassure. J'ai changé d'équipe cette saison. Bossenhagen ? Non. J'ai porté le maillot d'AG2R la mondiale et je l'ai fait briller sur l'une des plus grandes classiques de l'histoire. Je suis actuellement chez Alpecin Phoenix. Il est passé par Direct Energy, t'as dit ? Par AG2R. Ah, par AG2R, pardon. J'ai participé une fois au Tour de France, 3 fois au Tour d'Italie et j'ai notamment gagné une étape sur le Tour d'Italie 2017. Et je n'ai plus participé au Tour de France depuis 2018. Je suis champion de Suisse de l'Omnium Junior. Dillier. Bravo, Polo. Ça sortira bien avant. Sylvain Dillier, félicitations. Du coup, bah, c'est qui ? Et Baden, non, je ne l'avais pas. C'est quoi, il y a 2-1 ? Et il y a 2-1, j'en fais un dernier parce que je n'ai pas annoncé que le dernier valait plusieurs points. Donc je vais pas faire le chien. Ok. Pour moi, si tu gagnes, Polo, ce sera pas du vol. Le dernier. À moitié, quand même. Mais le chat, il y aura de deux, mais on sera gagné. Donc on sera quand même un peu. Bike, tu as trouvé le premier. Félicitations. On n'est pas bon ce soir. J'ai actuellement 29 ans. J'ai terminé 9e du Tour de l'Avenir 2012 et 3e du Tour de l'Avenir 2013. Je suis champion de mon pays 2019 et 2021. Je suis donc actuellement sur le Tour de France, porteur du maillot de champion national. Guerrero ? Non. J'ai fait 7e de la Flèche Wallonne l'an dernier et 8e du Giro. Mohoric ? 8e du Giro, c'est pas Mohoric. Dommage. Je participe. Ah non, 8e du Giro l'année dernière, t'as dit ? Attendez. J'ai peut-être dit une connerie sur la participation au Tour de France, effectivement. Non, il n'est pas sur le Tour de France. Ouais. Ok. Il n'est pas sur le Tour de France. 8e du Giro, c'est l'année dernière ? 8e du Giro en 2020. Ok. J'ai fait 2 fois le Tour de France, 3 fois le Tour d'Italie et 1 fois le Tour d'Espagne. Et 1 fois le Tour d'Espagne. Je suis un champion européen d'un pays frontalier de l'Italie. Je cours actuellement chez la Bora. Postelberger ? Non. Patrick Conrad. Non. Patrick Conrad. Patrick Conrad qui est sur le tour, par contre. Bah écoute, non. Non. Semble, hein. Bah écoute, je pensais aussi. Moi, j'ai Conrad en tête, mais tu me dis qu'en fait, il n'est pas sur le tour. Après, peut-être qu'il a abandonné. Il a abandonné, ouais. Non, il n'a pas abandonné. Il est encore là. Ben voilà. Je ne sais pas pourquoi au début. Je l'ai vu. Et puis... Mais ce n'était pas le plus important, disons, qu'il soit sur le tour. C'est pour ça que j'ai perdu, moi. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai ? Sérieux ? Non. Okay. Dans le chat, qui l'a trouvé le premier ? Et ben, Bache encore. Félicitations. 2 fois ah, aujourd'hui, tu as été le premier à le trouver. Bien joué. Voilà, c'est terminé après 1h10 de quotidienne. On en a terminé pour aujourd'hui. Félicitations à Van Aert. Qui gagne une très belle étape. Apollo aussi, ouais, qui gagne. Et le Apollo, c'est vrai que. Tu reviens à 4-3, je crois. Ça fait 4-3. Pas mal.
Rien n'est joué. Je suis un peu comme Pogacar. Comme le tour. Ouais, mais t'en as plus que Pogacar depuis le début des coups. Attention, hein. Attention à la dynamique. Hein. Merci Polo, merci Romain, Catherine et Liliane pour aujourd'hui. On vous retrouve demain, peut-être séparés. On va voir, peut-être que vous y avez pris goût, on ne sait jamais. À demain, les rouleurs. Merci à tous d'être si nombreux, si présents. Et on se retrouve demain, comme d'habitude, à 19h. Ciao, ciao, bisous. Salut les gars.